Je ne suis pas superstitieux parce qu'il paraît que ça porte malheur. Aujourd'hui, on va parler de chance et on va voir comment on peut arriver à la provoquer. C'est parti! Je suis Jérémy et tu es sur la chaîne Frugalisme. Sur cette chaîne, on t'apprend à en faire plus avec moi, on t'apprend à avoir une attitude qui te permet d'arriver à économiser au quotidien, qui te permet d'arriver à investir intelligemment pour te créer des revenus alternatifs. Quand ces revenus alternatifs arriveront à égaler ton besoin d'argent, à ce moment-là, tu n'auras plus besoin d'arriver à travailler, tu n'auras plus besoin d'échanger ton temps contre de l'argent pour un patron que tu n'aimes pas et qui te méprise. À ce moment-là, tu seras libre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la chance, comment arriver à l'obtenir, comment la provoquer, comment arriver à faire en sorte que ton quotidien s'améliore grâce à la chance. Et tu es toujours aussi dans la vidéo, dans la série des 60 vidéos, une vidéo par jour, une technique, un conseil, une recommandation pour apprendre à en faire plus avec moins, pour changer de vie, rien que ça, en 2 mois. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va parler de la chance, tu vois, j'ai toujours avec moi mon petit trèfle à quatre feuilles, je l'ai depuis plus d'une quinzaine d'années. La première chose à considérer, c'est ta vision de la chance. Qu'est-ce que c'est pour toi la chance? C'est-à-dire que si tu crois toujours que la chance est quelque chose qui vient nécessairement de l'extérieur, alors à ce moment-là, ça laisse à supposer que tu t'en remets au hasard. Est-ce que tu crois franchement que si tu restes comme ça dans ton plumard toute la journée ou à jouer aux jeux vidéo, à Fortnite ou à Minecraft, est-ce que tu crois franchement que la chance va finir par te sourire et qu'il y a un mec avec une valoche pleine de billets qui va sonner à ta porte en te proposant d'en prendre un petit peu? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu sais, je pourrais pour une fois reprendre un petit peu l'exemple des pubs du Loto, il disait 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et c'est vrai, la chose qu'il faut essayer de retenir, c'est pas nécessairement qu'il faut jouer au loto, parce que là, t'es sûr au moins d'une chose, c'est que t'as 100% de chance d'aller enrichir les actionnaires de la Française des Jeux. Mais néanmoins, il faut te mettre en action, il faut te bouger, il faut en quelque sorte mettre en place les petites graines qui vont ensuite pouvoir pousser. Certaines vont pousser, certaines vont pourrir, et t'en as quelques-unes derrière qui vont offrir des fruits. C'est un petit peu comme si tu jetais une centaine de bouteilles à la mer tous les matins, et ben, de temps en temps, il y en a une qui va revenir. C'est un peu ça, l'esprit d'arriver à provoquer la chance. Mais néanmoins, ça va pas être suffisant. La première, hein, qui est importante, si tu a compris qu'il fallait te mettre en action, c'est d'arriver à être capable de saisir les opportunités. Une chose importante à comprendre, c'est que des opportunités, on en a tout autour de nous, toute la journée, là, maintenant, en face de toi, tu as des opportunités. La question, elle est de savoir si, un, tu es capable d'arriver à les voir, et de deux, si tu es capable d'arriver à les saisir. Le problème, c'est que bien souvent, on n'est pas capable d'arriver à voir ces opportunités, à les détecter. Et la raison, elle est simple, c'est qu'on n'a pas le bon décodeur, on n'a pas les bonnes lunettes. Donc, si tu le vois pas, comment tu peux arriver à l'attraper? C'est impossible. La première des choses, c'est d'arriver à mettre tes antennes comme ça en mode détection, hein, et puis d'essayer en quelque sorte d'être prêt à saisir les choses. Bon, facile à dire, mais je vais te donner une astuce. Sois curieux, éduque-toi, forme-toi, apprends à détecter ce qui est autour de toi et que tu ne sais peut-être pas. Voilà, c'est une première manière. Et la formation, pour ça, c'est essentiel. Tu ne pourras jamais savoir ce que tu n'as pas appris. Les connaissances, les choses, les idées qu'on t'aura peut-être suggérées pourront te permettre d'arriver à être capable de chercher les opportunités qui sont autour de toi. Un exemple concret, bah peut-être qu'en ce moment, là, autour de chez toi, il y a des garages parking qui sont pas très chers et qui pourraient être intéressants d'arriver à les saisir, à les acheter en ce moment même. À ce moment-là, ça pourrait te faire un petit investissement immobilier qui ensuite pourrait te permettre d'obtenir quelques revenus alternatifs. Bon, voilà, je te donne un exemple. Je te conseille pas de faire ceci ou cela. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas conseiller financier, hein. Je donne des recommandations fortes de mon expérience et je partage mon expérience, mais je ne dis pas aux gens ce que eux doivent faire, hein. D'accord? Ça, c'était pour la petite partie disclaimer. Une autre chose à vraiment comprendre, c'est que peut-être tu as des espèces de blocages qui font que tu ne veux pas avoir ces opportunités-là. Et là, à mon avis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'on ne pourrait l'imaginer, et c'est quelque chose qui tient en quelque sorte du sabotage. C'est important, on aborde vraiment des aspects qui sont psychologiques, mais qui vont vraiment arriver à déterminer la trajectoire que tu pourrais prendre. C'est comme si, en quelque sorte, tu ne t'autorisais pas à réussir. Il y a des gens comme ça qui s'autorisent pas à être heureux. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas à réussir. Il y a des gens qui une fois que ça commence à marcher et qu'ils commencent à obtenir des bons résultats, ils sont obligés de se tirer une balle dans le pied parce que comme ça, ça va les conforter dans leur espèce de mode inconscient, hein, qui dit que tu dois souffrir au quotidien. Non, ça c'est du bullshit. Tu ne dois pas souffrir au quotidien. Il n'y a pas de raison. Donc d'abord, il faut essayer de faire face à ça, de regarder
ta part d'ombre en quelque sorte, et de lui dire hein, non, c'est moi qui suis le patron, c'est moi qui prends les rênes, et il n'est pas de question de se saborder, il n'est pas question de se saboter. Une autre chose qui pourrait être importante de considérer, c'est peut-être la problématique de la réticence au changement. Je te donne un exemple. Tu as une opportunité pour un job à l'étranger. Est-ce que tu vas être capable d'arriver à la saisir? Est-ce que ça va pas te faire flipper? Être loin de chez toi, parler une autre langue, rencontrer d'autres personnes, être dans un autre job, peut-être arriver à changer d'entreprise, peut-être arriver... Bon, voilà, tu vois, c'est pas facile, ça demande du courage. Donc à ce moment-là, ça laisse à supposer que tu vas devoir prendre un risque. En fin de compte, tu vois, c'est un petit peu comme l'investissement au quotidien, je l'ai déjà dit, si tu veux arriver à investir et obtenir des résultats, à un moment donné, bah, il n'y a pas photo, il va falloir sortir de ta bulle de confort et prendre un risque. Ça fait flipper, c'est difficile, mais bon, on n'a rien sans rien. Donc par exemple, pour cette histoire de job à l'étranger, bah, il va peut-être falloir d'abord commencer à chercher les opportunités sur les sites qui sont dédiés, ensuite il va falloir te mettre en action et créer des CV qui sont dédié à chacun des employeurs, hein. Tu sais, on n'envoie pas des CV standards, hein. Ça c'est des conneries, c'est fini, ça marche plus, hein. On envoie des CV qui sont personnalisés en fonction de la demande du mec, hein, ou de l'entreprise, pardon. Et puis à ce moment-là, tu vas essayer d'adapter ton profil et montrer la facette de ton profil qui va correspondre le mieux à leurs attentes si tu veux obtenir cette position, ce job, d'accord? Un autre truc qui est important à mon sens de vraiment, vraiment considérer toujours, c'est une certaine forme d'humilité. C'est-à-dire que si tu es vraiment tellement fier de ce que tu as réussi à faire que ben, tu ne veux pas essayer de te remettre en question pour arriver à saisir d'autres nouvelles opportunités, d'autres chances qui pourraient se présenter à toi. Alors à ce moment-là, ben, rien n'arrivera. Tu vas rester sur tes acquis et puis ben, le jour où tes acquis vont commencer à s'effriter en quelque sorte, et ben, à ce moment-là, tu vas te retrouver ben, voilà, un petit peu attrapé parce que tu n'auras pas de plan B, plan C. Tu n'arriveras pas forcément à rétro-pédaler en quelque sorte et à te remettre en selle sur d'autres opportunités. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut être suffisamment humble pour toujours rester à l'écoute, pour toujours avoir tes antennes qui sont sorties et toujours considérer que tu n'as rien réussi. Enfin, ce que tu as réussi, c'est bien, tu l'as pour toi, c'est un acquis, mais il faut quand même rester ouvert, il faut vraiment considérer le fait que, un, rien n'est éternel, deux, tout peut changer dès demain matin. À mon avis, il y a un autre truc qui est super important d'arriver à considérer, c'est qu'est-ce qui peut te bloquer pour arriver à avoir de la chance. Essaye de, comment dire, réfléchir, ça c'est un petit peu ton exercice aujourd'hui, essaye de te poser, réfléchir et de détecter quelles sont les choses qui t'empêche d'avoir de la chance. Allez, je te donne trois défauts qui bien souvent nous empêchent d'arriver à avoir de la chance. Le premier, c'est la procrastination. Je vais y arriver. C'est le problème de tout le temps remettre à demain. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur cette thématique-là. C'est important que tu la regardes si tu l'as pas encore fait. Alors, c'est ici ou là, je sais jamais. Voilà, sur ce problème de tout remettre à demain. Si tu as tout le temps une espèce de petite voix, un petit blocage, un truc qui te dit, ah non, non, tu le feras plus tard, etc. Ah oui, il faut le faire, mais bon, machin. Ben non, ça va pas le faire. À un moment donné, il faut faire face aux problèmes, faut les prendre à bras le corps et de dire bon allez, maintenant je coupe le téléphone, je m'enferme et puis on s'y attaque. Et ben la chance, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu veux arriver à obtenir des résultats qui sont vraiment intéressants, et ben il faut s'y mettre, hein. Il faut passer à l'action. Passer à l'action, un autre problème aussi qui pourrait être en quelque sorte lié plus ou moins à la procrastination, c'est la problématique de la paresse. Mets-toi un coup de pied dans les fesses. Si tu es paresseux, il n'y a rien qui va se produire, hein. Il n'y a pas de secret, il faut bosser, il faut se mettre en action, il faut y aller, hein. Faut aller cravacher. Un autre problème que tu pourras avoir, c'est aussi un manque d'idées, un manque de, ben, de perspectives, parce que tu ne sais pas par quel bout attaquer, tu ne sais pas forcément ce qui pourrait t'aider à avoir de la chance. Et là, je vais te donner quelques petites astuces, mais il y en a une surtout qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est le fait que si tu ne restes pas en permanence curieux, ouvert d'esprit et vraiment en quelque sorte avide de nouveautés, eh ben, ça ne va pas arriver. C'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des nouvelles idées. C'est en lisant, en restant très curieux, en restant tout le temps à l'écoute de ce qui pourrait se passer ici et là, et parfois même en sortant des sentiers battus. Si tu restes tout le temps dans les choses traditionnelles que, ben voilà, on te conseille, si tu restes tout le temps sur les investissements que ton banquier te recommande, à ce moment-là, je vais te dire la vérité, il y a peu de chances que tu arrives à aller vraiment loin. Enfin, une autre chose qui est super importante, c'est d'arriver à être toujours, toujours, toujours positif. Même quand à l'intérieur de toi, ça va pas, même quand à l'intérieur de toi, c'est difficile et que t'as pas la niaque, force-toi, souris à la vie et dis-toi qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance et ça va marcher. Chaque jour est un bon jour. Il n'y a pas de raison que ça marche pas si tu ne fais pas tout pour que ça marche. Aujourd'hui, c'est ta chance. Dites-le-toi tous les matins. Aujourd'hui, c'est ta chance. Déjà, t'as de la chance parce que t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes. En tout cas, je te le souhaite. T'as à peu près toute ta tête.
ça, bon, où il n'y a pas d'équilibré, il n'y a que des équilibristes. Et puis, bah, t'as décidé qu'aujourd'hui, ça va le faire, et ça va aller. Et même si tu vas te prendre des bananes dans la figure, même si ça va être difficile, eh ben, c'est pas grave, parce que, ben, t'as déjà la santé, t'as déjà tout un tas de trucs qui font que tu pourras te réjouir de ce que t'as. Et puis, aujourd'hui, c'est ton jour de chance, et tu vas faire un tas de trucs pour que ça marche et que aujourd'hui, ce soit une bonne journée. Je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'attitude, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui va te permettre d'arriver à obtenir des résultats. Et ben, ton attitude au quotidien, ton attitude dans la vie, ta manière d'arriver à aborder les choses va te permettre d'arriver à changer les choses. Enfin, si tu veux arriver à avoir de la chance, et ben, il y a des petits talismans qui peuvent t'aider. Moi, comme je te le disais, j'ai toujours mon petit trèfle à quatre feuilles. Je crois pas à la superstition, je crois pas à la chance, hein, parce qu'il paraît que ça porte malheur. Bon, voilà, c'est une manière de dire que ces petites choses-là, ces petits machins, ces petits gris-gris que tu peux avoir autour de toi, en fin de compte, c'est des éléments qui peuvent t'aider à te mettre en confiance. Et je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente également, la confiance, comme l'attitude d'ailleurs, la confiance, c'est ce qui fait toute la différence. Pourquoi des mecs qui sont complètement bêtes et stupides et cons arrivent à obtenir des résultats dont tu rêves et que tu n'arrives pas à avoir? Parce que eux, ils ont osé. Ils ont osé parce qu'ils étaient en confiance. Ils ont osé parce qu'ils ont eu pas peur ou moins peur de se jeter dans le bain et d'aller parler aux bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est des petites choses peut-être qui peuvent t'aider. Allez, va dans ton jardin et va chercher des trèfles à quatre feuilles. Si ça peut t'aider à te mettre en confiance, eh ben, il faut y aller. Si ça peut t'aider à te dire qu'aujourd'hui, ça va le faire, eh ben, il faut y aller. Il faut pas hésiter. Donc, il faut absolument que tu travailles ta confiance. C'est ce qui va être décisif. Enfin, une dernière chose, c'est qu'il faut absolument que tu arrives à t'entourer de personnes qui sont positives autour de toi et qui vont t'aider à révéler le meilleur de toi-même. Et puis, bah, toi, il faut que tu travailles pour essayer de minimiser en quelque sorte les choses qui sont négatives et qui te bloquent dans ton quotidien. C'est comme ça que tu vas pouvoir y arriver. Voilà, c'était Jérémy. Cette chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, t'hésites pas. Tu me lâches un pouce. Tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé et dis-moi aussi c'est quoi tes petits trucs pour toi avoir de la chance, ça m'intéresse. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir et télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est gratuit, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à faire des grosses économies au quotidien. Je te souhaite une excellente journée pleine de chance et je te dis à demain. Ciao.